Eh bien, salut à tous, c'est Cyril. On se retrouve aujourd'hui pour le 28e épisode de la série Pack to Dinner, les Tots. On est en pleine période, il y a les Tots MC, donc les Moss Washington qui sont les joueurs qui n'ont jamais été bous cette saison, qui sont Tots à la fin. Donc c'est le début des Tots, voilà. Donc ce que je vous propose, et si vous êtes d'accord, il va falloir bombarder ces vidéos de pouces bleus, je souhaite vous faire au moins 3 épisodes minimum par semaine avec un max de packs au début, DSBC, DSBC boost garanti, etc. Plus d'autres éventuels SBC qui vont s'ajouter au cours de la semaine, peut-être des hybrides, enfin bref, vous connaissez les différents SBC qu'il y a. Donc comme ça, avec un petit match, ce sera une vidéo assez courte pour avoir, entre guillemets, au moins 3 épisodes de Pack to Dinner par semaine. Si vous êtes d'accord avec ça, bombardez ces vidéos de pouces bleus, parce que là, comme vous le voir, j'ai 14 packs à ouvrir. On a différents packs, d'ailleurs on a un SBC à valider, je ne sais pas si je l'ai validé. J'ai refait un SBC boost 84, je l'ai validé ou pas? Non, je l'ai pas validé, voilà, donc tous les joueurs que j'ai, je les achète, hein, bien sûr. Donc ils me servent juste pour les SBC, voilà. Donc on a un SBC boost à plus de 84 à ouvrir. On a un SBC, enfin on a une carte, un pack avec un boost échangeable. C'était le défi gros match qu'il y a eu récemment, donc on va voir la gueule des packs, ça doit être par là. Voilà, donc là on a le joueur à plus de 84, là on a le joueur, le boost de l'équipe de la semaine échangeable qui correspond à un pack, enfin un défi comme je vous l'ai dit, gros match. On a pas mal de petits packs, j'ai fait pas mal de SBC qui datent il y a très longtemps, notamment un qui nous offre aussi un pack à 50k. Donc on a énormément de packs, donc si ce nouveau format entre guillemets de pack ou bien pour les Tots vous plaît, un max de packs au début, un seul match, comme ça ça fait des vidéos assez courtes et je peux vous en proposer plusieurs par semaine. Donc je pense que vous êtes d'accord, donc n'hésitez pas à bombarder cette vidéo de pouces bleus. D'ailleurs, ceux qui veulent se faire plaisir pour les Tots, toujours je le dis, pré-start dans la description. Je vais pas vous dire dépêchez-vous, mais il risque d'avoir à un moment des ruptures de stock. Donc dépêchez-vous, achetez des cartes si vous voulez, à pas vous faire entre guillemets avoir. Donc on a plein de packs à ouvrir, pack toujours, pack or, pack jumbo, premium or. On a des packs or rares, on a des packs joueurs rares, donc des packs à 50k, bref, des packs de fou. L'objectif c'est débloquer soit une animation, soit une carte Tots. Ou peut-être les deux. Let's go, premier petit pack. Alors, je ne me rappelle plus trop, comme je dis, des SBC que j'ai fait. Il y en avait plein. J'ai des SBC qui datent de très très longtemps. Je me suis dit, Eduardo, what the fuck? J'ai même pas vu qu'il... Mais il était à machin, lui. J'ai même pas vu... J'ai la première fois de ma vie que je vois sa carte. Ouais, c'est la première fois de ma vie que je vois la carte, Eduardo. Ok, bon, ça c'est un pack pas forcément très intéressant. Franchement, débloquer un Tots, ça pourrait être cool, parce que ça donne un peu de piment à la série. On fera des équipes avec les Tots qu'on a, qu'on pack. Même si c'est des équipes, enfin des Tots avec des cartes un peu bizarres ou de championnats très compliqués, on va essayer de faire un maximum d'équipes avec. Donc, franchement, il faut que ça crache. Il faut que le jeu nous donne du très, très lourd. Bon, hein, c'est des petits packs pétés. Moi, il y a 4 packs qui m'intéressent. C'est le pack Jumbo, le pack à 50k et les deux packs avec les joueurs informes. Un informe échangeable et un informe non échangeable. Donc, on va voir. Let's go. Pack Jumbo Premium Or, 7 éléments rares. On va voir si on a de la chance. Ah, l'étoile est pas mal. L'étoile est plutôt pas mal. Subasic. Donc ça, c'est très intéressant pour les SBC, notamment les boosts à plus de 84. Je vais essayer d'en faire au moins un par semaine, par vidéo, pardon, sachant que les prix, comme vous avez pu voir, ont quand même bien diminué. Avant, c'était un peu plus de 50k, le défi boost à plus de 84. Là, on est à 35k, donc c'est quand même intéressant, donc on peut en faire pas mal. Let's go, pack Jumbo Premium Or, second pack. Après Subasic, nous avons une petite étoile, ouais, bon, rien de bien intéressant. J'ai trop envie de packer du bleu, là, j'en pack de partout en ce moment. Et dans Pack to Dinner, ça ferait très plaisir. Shabitzer et Sylvestre, ok. J'ai aussi vendu les cartes sombres, j'en ai profité. J'ai vendu à 1200 quasiment à chaque fois. J'en ai profité, il m'en reste 2-3. Enfin, à chaque fois qu'on pack, on en a, de toute façon. Donc, autant les vendre. Le dernier pack Jumbo Premium Or. Ouais, on a juste eu un petit Subasic, hein, ce qui n'est quand même pas extraordinaire. À 84 de notes, là c'est Maximovic à 81. Il faut taper du lourd de toute façon. Oh, Mackie Steven, il a plus les 5 étoiles, lui je crois. Ok, Mukanjo, bon, des joueurs, des contrats classiques. Nous on veut les packs de fin, là. Les packs de fin, on peut taper du très 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 lourd. Il y a aussi le stock de points fin qui va arriver, hein. J'ai plus qu'à ajouter les cartes. Et let's go, le pack or rare, encore une petite étoile. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de chance pour le moment. Je pense que c'est Asensio. Oui, ça c'est une SUA 82. Ok, bon, petite carte forme classique, les maillots, les joueurs. Pas très intéressant. Le deuxième, pas corps rare. Bâton à vous. Putain, elle est là. Juste une petite carte bleue, ça ferait très plaisir. Mandzukic. 83 notes, je crois que Mandzukic, non? Ouais, ça c'est bien pour les SBC. Oh, Pichek aussi. C'est bien ça pour les SBC à plus de 84. Il nous reste 8 petits packs. On va garder les packs les plus intéressants pour la fin, entre guillemets. Oh putain, j'avoue que c'était une animation. Oh!
Boost est bleu. Boost est bleu. Ah, c'est... ouais, je l'ai vu tout à l'heure, là. C'est Richie. Oh là là, la carte de ouf de Richie. Alors, ça, c'est bien, mais c'est de la D2. Et le boost, c'est qui? Modeste. Oh, oh, le pack. What the pack, les amis? C'est quoi ce pack de fou? Modeste à 87 avec un Richie à côté. Ça, c'est très bien pour la Team France et la Bundesliga. On joue beaucoup avec la Bundesliga. Après, on joue à une seule pointe. On a du Lewandowski. Bon, c'est pas ouf, mais bon, on prend. Moses et Richie. Oh là là, ce pack de fou. Il est quand même parfait. Ouais, un peu plus de 25K. Bon, on s'en fout le coût des joueurs de toute façon. Modeste, c'est pas mal. Eh, oh, c'est quoi ce pack de fou? C'est quoi ce pack de fou? Franchement, 2,87 dans le même pack. Boost et Tots. Des contrats indicatoires, mon doublon. Subasic, oh oui, ça c'est un gros pack de ouf. Subasic, on va le mettre sur la liste transfert, on le vendra pas. Hein. Comme je dis, il me servira pour les SBC. Bon, et eh ben on a eu notre boost, notre tots, et on n'a pas encore fini, c'est ça le souci. On ouvre le petit pack à 25K. Oh, j'ai peur à l'animation, j'ai peur. Enfin, j'ai l'impression que le jeu, il troll un peu, toi, il ralentit, mais pas assez pour que ça soit une animation. Carnesis à 82, je crois qu'on l'avait déjà, si je dis pas de conneries. Non, on l'avait pas. Vainqueur Castro, ok, c'est bien. J'ai essayé de garder un max de joueurs que j'ai vraiment pas, parce que ça va nous servir, comme je l'ai dit, pour les futurs SBC. Ensuite, on a le pack avec un argent. Oh, ce serait tellement bien de packer un petit tot argent, franchement. Non, pas de tots argent. Oh, quand j'ai vu l'étoile apparaître, là, le bleu, la carte un peu jaune-noir pour... oh, Owusu. Ah non, c'est pas bon. Marvel Vine, what the fuck. On a des bons joueurs, on a des très bons joueurs, et ça fait très plaisir. Ensuite, on va ouvrir le pack de joueurs en rare. Bon, pourquoi pas taper du lourd, hein, je ne sais pas. J'ai pack pour un SBC, je ne sais même plus lequel c'était. AG, Mbagnan, ah, common, common. Ouais, c'est pas mal pour la Team France. Éventuellement, on va changer un petit peu d'équipe. Là, on va repartir avec la Team Classique BPL. Hein, parce que l'équipe que j'ai fait en hybride, vous allez voir que je suis pas très polyvalent. On ouvre le pack à 45K et après, on ouvre dans l'ordre. Let's go. Pack à 45K, 6 cartes rares. Non, petite étoile. Oui, 3 petites étoiles. Carlos Vela. Ok, on prend 82 de notes. Voilà. Ah, ça fait plaisir. Ah, franchement, ça fait plaisir. Donc, pour le prochain épisode, on va essayer de faire une équipe avec Richie. Hein. Je vais essayer de faire mon maximum. Ensuite, on ouvre le pack à 50K, les amis. Là, on peut taper du très, très lourd là-dedans. Let's go. Pack à 50K, pas d'animation. Oh, putain. Mais l'étoile. Corluca 82, ouais. Ah, dommage. Je suis déçu que pack à 50K, tu peux... Oh, Vardy, c'est pas mal, ça. Ah, jamais Vardy, c'est pas mal. Parce que Lukaku, je suis pas fan pour le moment. Les doublons, non, je pense pas que ça se vend. Ok, bon, pack à 50K, plutôt cool, ça passe. Ensuite, le joueur de l'équipe de la semaine échangeable. Donc, c'est le défi SBC gros match. On veut... Bah, il y a du Mertens, il y a du De Bruyne. On veut du lourd. Let's go. Pas d'animation dans ce joueur boost équipe de la semaine. Et nous avons... Ah non, bah, enfin, ah non. Ah non, ah si, parce que c'est bien, on peut le vendre. Tranquillou, il nous fera un peu de crédit Anthony Modeste, c'est pas mal. À 87 de notes. On ira le vendre, hein. Je sais pas comment il coûte, on ira le vendre, c'est bien, il nous fait un petit peu de crédit, bon, un peu de regret quand même, parce que c'est un joueur qu'on a, mais bon. Ensuite, dernier pack, joueur EDC 84+, c'est bah, les joueurs boost à plus de 84 de notes, let's go. Pas d'animation dans ce joueur boost à plus de 84, et nous avons... Mané. Oh, Mané, yes. Bon, c'est pas la meilleure version, 87, bah attends, c'est pas la dernière. Attends, je vais regarder vite fait sur Football. Sadio Mané. Putain, ce pack opening, il est magique. Franchement, on a eu 4 cartes de couleur, ce qui est très intéressant. Et c'est la dernière version de Mané. Oui, ça fait plaisir en plus, parce que je sais qu'il coûte plus de 150 000 crédits. Oh, damn. Et bah, ça fait plaisir. Les amis, si vous avez kiffé cette vidéo, bombardez ces duos de pouces bleus. Hein. Comme ça, pour les tots, on va ouvrir un max de packs. On a une chance, on est cocu. Franchement, là, autant j'ai pas eu de chance pendant depuis le début du jeu quasiment, mais là, on a eu un tots, un boost, encore un autre boost, plus Sadio Mané. Certes, ah merde, je suis con, il est invendable. Putain, je suis débile. J'ai dit, on peut le vendre, mais non, il est invendable. Mais on s'en fout, 87 Sadio Mané. Du coup, on part, les amis, avec notre BPL. On va bien sûr incruster, je pense, Jamie Vardy dedans et surtout Sadio Mané. Hein. Je pense, c'est ce qui peut être intéressant. Et on fera une équipe, comme je vous l'ai dit. Donc, on va mettre le machin et on va chercher. Notre ami Sadio Mané, qui, bon, qui est pas mal, qui est pas mal. Après, qui remplace un Mkhitaryan. Si je vois vraiment que Mané est vraiment bon, que je suis satisfait, je vendrai Mkhitaryan. Autant récupérer un peu de crédit, je pense que c'est d'accord avec moi. Et on va jouer pour le moment comme ça. On va quand même mettre sur le banc de touche, on va enlever Boufal. Et on va quand même mettre Mkhitaryan, on aurait certainement besoin. Voilà. Donc, let's go. On part en match avec cette équipe-ci. Elle a de la gueule. C'est la plus forte équipe qu'on ait, je pense, pour le moment.
Et j'espère taper du lourd dans les tots BPL parce que cette équipe-ci, elle a de la gueule. Donc un petit tot par-ci, un petit tot par-là. Ça peut être très intéressant. On va vite checker un petit peu le parcours. Comme vous pouvez voir, on va attaquer cette division 2. Donc on a fini d'être nul, on a fini de perdre des matchs n'importe comment, on a fini d'avoir les pieds carrés. Oh damn, on affronte Lyon. Ah bah oui, le mec il a le logo de Lyon, maillot de Lyon. Toutes les meilleures versions de Lyon? Non, parce qu'il n'y a pas de Tolisso Orange, Ribus. Ouais, bah l'équipe, Mamana derrière, Lopez. Ouais, une équipe lyonnaise quoi, tout simplement, avec un petit Valbonnet à droite. Même s'il est ailier gauche. Ouais, une équipe plutôt sympathique. L'objectif est simple, c'est une victoire. Là aussi, il faut gagner des packs, faut gagner des matchs, marquer des buts, faut ouvrir un max de packs. Let's go, premier match. Quoique Pedro, le crochet de Pedro, oh bien joué. Oh ça c'est très bien joué Pedro, 1-0. On a ouvert le score, c'est le plus important, maintenant il va falloir être solide parce que le mec il est loin d'être nul et puis la casette il fait très très mal. Mais bon, 1-0, petite action collective bien jouée, conclue par Pedro. Bien joué. Là Mané, tu vas démarrer tout seul. Hein. Ouais. Oh, bien joué. Oh oui. Oh, oh, bien joué. Sadio Mané, inspiration, est au rendez-vous, ça fait plaisir. On mène 2-0, ça fait très plaisir. Double contact de Mané, petite passe pour Vardy, qui s'est bien faufilé et qui a marqué 2-0. Bon, et eh ben c'est la mi-temps. Écoutez, on mène 2-0. Voilà, domination au rendez-vous, ça fait plaisir. On n'a pas de soucis défensifs. Offensivement, on se crée du beau petit jeu, des belles petites actions, ça fait très plaisir. Et c'est là que je regrette un petit peu d'avoir joué dernièrement avec des hybrides, quoi. J'arrivais pas à jouer, j'ai forcé. Alors qu'une simple petite BPL, on déroule. Et ça fait très plaisir. 2-0. Allez, Vardy. Oh, bien joué. Bien joué. 3-0, but des Mané. Là, tu vois, j'ai pas trop parlé au moment où je me suis dit... Putain, si je la rate, c'est la honte, quoi. Mais non, c'est bien joué, petite action simplissime. Mais qui finit au fond, 3-0. Eh bien, victoire! Ça fait très plaisir, amis. On débute parfaitement bien cette division 2. On aurait pu d'ailleurs en marquer un peu plus. On a quand même tapé les poteaux. Enfin, on a tapé un poteau. On a mis une barre. Bon, on aurait peut-être pu en prendre un aussi. Mais de toute façon, l'essentiel, c'est la victoire. C'est ce qu'on va retenir. 3-0, c'est un score parfait. Pas de but encaissé, domination sur le terrain, 3 buts d'écart. C'est franchement très intéressant pour les packs, les buteurs. Alors, on a quoi comme buteur? On a Pedro, on a bien sûr Vardy, qui a fait un très très bon match aussi. Et bien sûr, Sadio Mané, les buteurs. En note, on est pas mal aussi, hein, je pense. Il me semble que j'ai vu un 9-5 de note, je suis pas sûr. Et oui, 9-5 de note pour Pedro. Bon, c'est le seul, malheureusement. Vardy est pas très loin non plus, De Bruyne non plus. Mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est la victoire. On n'a pas encaissé de but pour les packs, c'est très très bien. Donc, après total des packs, les amis, on en débloque 11, ce qui est quand même plutôt satisfaisant. En un seul match, c'est plutôt très bien. On commence bien sûr par les 9-5 de notes. Monsieur Sadio Mané, auteur d'un match extraordinaire. Ensuite, la victoire, bien sûr, 2 petits packs. Le clean sheet termine le match sans encaisser de but. 2 packs, 2 passes décisives pour Mané. Et oui, il était buteur une seule fois et 2 fois passeur D. Donc, 2 petits packs en plus. Et la différence de but de 3 packs. Donc, total, 11 petits packs. Je crois que j'ai pas les points FIFA nécessaires. J'ai la flemme d'ajouter maintenant. On fera pour le prochain épisode, on va juste ouvrir en fonction des points FIFA que j'ai. Et pour le prochain épisode, bah, il y aura plein de SBC au début, des SBC boost, il y aura aussi des packs. Bref, du très 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 lourd, vu qu'on a 40k, c'est bien, on peut en faire au moins un SBC déjà à plus de 84. Du coup, on va ouvrir 2 fois 400 comme ça, voilà. Et puis on verra pour le pack à 125k la prochaine fois, de toute façon. Parce que là, c'est vrai que mettre toi un pack à 125k, c'est intéressant, hein, franchement. Mais bon, pour les tots qu'on a... pas fan, je préfère garder mes points FIFA et mes crédits, surtout pour les gros stocks où il y aura toujours des packs à 125k. De toute façon, donc on peut ouvrir 2 petits packs comme ceci, ça fait à peu près 6 packs, donc il restera encore à peu près 5 pour le pack prochain. On est tranquille. Let's go, premier des 2 packs à 400 points FIFA. Il y a beaucoup de joueurs dedans, il y a 12 joueurs, 6 or, 6 argent, donc des tots probablement. On verra bien, premier des 2 packs, on l'obtient, une toute petite étoile avec... voilà, Iñaki Williams, je suis en train de chercher. Dans ma tête, Iñaki Williams, Grimaldo, Armero. Ça, c'est pas mal des joueurs comme ceci, tu vois. Parce qu'il y a quand même des tots, faut le savoir, du type bah, portugais, machin. Donc, ça peut être intéressant en cas du fait qu'on les pack tout simplement. Dernier pack à 400 points FIFA, 20 000 crédits. Et on termine sur une toute petite étoile avec... ah bah, c'est Zyler. Ok,
Bon, eh ben, on n'a pas eu grand chose dans les packs, c'est pas grave. Au prochain épisode, on va s'en mettre plein les poches et on va essayer de taper du très très long. Voilà, les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Franchement, match de ouf, épisode de ouf, des joueurs de ouf, tout est ouf. Tout ça, on a une chance de cocu, ça fait plaisir. Le retour, ça paye très bien. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à chercher un maximum de pouces bleus, comme je vous l'ai dit. On aura au moins 3 épisodes de packs tout d'un cette semaine avec un max de packs, avec un max de tots aussi dans les packs. J'espère que vous avez kiffé. Prenez soin de vous et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.